What a start to this fight. Lasu coming straight back with the uppercut. This is not going to last long. No, that's it for Freddie. He's unleashing. A huge right hand. Oh my goodness, the knee there breaking the guard as well. Take down by Kamaya. Lasu straight back on him. Oh my goodness, this is absolute demolition job by Xavier Lasu. J'ai dit beaucoup galérer. J'ai traversé tous les pays maghreb qu'on connaît toujours en bas. Je suis arrivé au Maroc, je suis arrivé en Espagne, je suis arrivé en France. J'ai pris exactement comme un parcours un peu de Francis Ngannou. J'ai beaucoup traversé des étapes très très difficiles de la vie. C'est ça qui m'a rendu fort. Le seul chemin là où je pouvais intégrer pour continuer, c'était le MMA. Mon grand frère camerounais qui est Fernand Lopez, c'est grâce à lui que je suis arrivé chez lui et puis j'ai débuté ma carrière de MMA. J'ai très vite appris, j'ai montré que j'étais capable, même dans mes sparring, dans mes entraînements. Je viens du Blanc-Ménil, c'est là où j'ai grandi. J'ai commencé par le grappling. On était une équipe de compétiteurs à Bobigny. Les gens commençaient à ne plus venir. Du coup, on se retrouvait à 3-4 parcours. J'avais parlé à Naofel, comme quoi je lui disais que je voulais faire un peu de pied-point. Et c'est lui qui m'a dit de venir à l'Atri Academy. On m'a contacté et puis on m'a dit bon, il y a un combat pour toi, je ne savais même pas qui c'était, tout ça. Et je n'avais même pas eu le temps de me préparer, c'était un signe aussi. Donc dès que j'ai reçu le coup de fil, j'ai dit bon, moi à chaque minute je suis prêt. Pourquoi ne pas partir, je me lance. J'ai fait mes premiers débuts du MMA à Arès. Je suis rentré avec un bonus de 10 000 que j'ai eu. Grâce à ce bonus aussi, ça m'a bien aidé, ça a pu faire en sorte que je puisse bien m'organiser pour pouvoir reprendre mes entraînements et puis me remettre bien au travail. Moi, je me méfie toujours de mes adversaires. S'il a pu accepter ce combat contre moi, ça veut dire qu'il est prêt. Moi aussi, je suis prêt. J'aimerais bien reprendre ma revanche par rapport au public, leur montrer vraiment ce que je sais faire, parce que le dernier combat, bon, après c'est passé, mais j'ai rien à montrer, quoi. Bon, il a la confiance totalement à lui de rapporter ses combats, qu'il est prêt de pouvoir me vaincre, et par contre, là, il se trompe. Moi, j'aimerais bien finir ça avec un très très bon KO. Je prends le triple. Le très bonus, je veux le très bonus, pas seulement un seul. J'avais le sou, j'ai vu que c'était un combattant agressif. Faut faire attention, mais bon, voilà quoi, j'ai déjà connu pire. Après, une victoire, ça reste une victoire, hein. Ça peut même aller à la décision, ça me convient. Je prends tout ce qui arrive. La différence, ça se fera au mental. Ça va être la guerre. Ça va être une guerre terrible. Ça va pas être facile pour toi ce combat. Entraîne-toi bien, mange bien, sois bien en forme. Parce que vraiment, ce combat, mon ami, tu vas manger. Tu vas manger des repas spéciaux. Est-ce que tu connais des repas spéciaux? Là, c'est des repas spéciaux. Ça va se manger sauvagement et ça va être un très beau combat. Ben, j'aimerais bien manger les plats salés. Parce que moi, je lui ai donné à boire très, très, très salé. Xavier, prépare-toi bien parce que ce ne serait pas une partie de plaisir. Je vous donne rendez-vous le 17 novembre pour Arès 17. Venez nombreux, les amis. Ça va, c'est fait. Le spectacle serait de taille. On va vous donner le show.